Dieu, viens à mon aide. Thank you.
Yeah.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Dieu, le Dieu de nos pères, a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le pendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa puissance, a élevé en faisant de lui le chef, le sauveur, pour apporter à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Unanime, les apôtres persévéraient dans la prière avec Marie, la mère de Jésus. Alléluia. Et Jésus,
Supplions Dieu de répandre son esprit sur toute créature, ainsi qu'il l'a promis. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Sur ceux qui ont faim, ceux qui pleurent, ceux qui attendent un consolateur. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Sur ceux qui ont besoin de ta sagesse pour établir la justice et la paix. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Sur les persécutés, les opprimés, les abandonnés. Sur ceux qui annoncent ta parole et ceux qui en vivent. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Sur ceux qui te connaissent et ceux qui te cherchent. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Pour ceux qui te suivent et ceux qui se détournent de toi. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Sur les vivants et les morts. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Notre Père, qui nous a ouvert la vie éternelle en exaltant ton Fils dans la gloire et en nous envoyant ton Esprit de lumière, fais qu'en participant à une telle grâce, nous soyons plus dévoués à te servir et obtenions une plus grande foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, Dieu de tendresse, de miséricorde, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité, vous garde dans sa fidélité pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.